Salut tout le monde, c'est Silent, le retrouvant sur Binding of Isaac Afterbirth, toujours. Et donc nous étions sur les runs. Oh là là, bon on va partir sur Lilith avec Grid, hein, bouf, voilà, comme ça c'est fait. Vu qu'on a décidé de faire Grid avec tout le monde d'un coup, t'as vu, ouais, poser, c'est la culotte de maman, mam pantsu, oh yeah. Donc a priori Lilith a été nerf, hein, comme vous pouvez le voir. Son petit incubus, on peut que le claquer, enfin l'item qu'elle avait, on peut plus que le claquer tous les 4 salles. D'ailleurs on va le claquer déjà à cet étage, parce qu'on peut le claquer plus ou moins 2 fois par étage. Si on merde pas trop. Vu qu'on peut le claquer gratuitement comme ça 2 fois par étage, ça devrait pas être trop difficile sur tous les premiers étages en tout cas. Étant donné qu'elle manque pas de dégâts vu qu'elle a le double de l'arme dès le début. Elle tape aussi fort que Judas limite dès le premier étage. Bon, Judas elle a Book of Belial, c'est l'avantage. Judas peut faire plus malin quoi. Tac, on peut le reclaquer une fois si on souhaite, on va le faire. Hop. Chose que j'ai jamais remarqué, c'est que elle a le super bandeau en fait, enfin j'ai remarqué mais j'ai pas spécialement fait attention, mais elle a le bandeau en fait que les personnages ont dans les challenges autour des yeux quand ils peuvent faire pleurer simplement. Et j'ai pas fait attention à ça. Je me sens un peu stupide sur le coup mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, c'est pas de la folie hein, quand même. Prendre ça. Ah mais je suis con, j'aurais dû faire les boss. Ah j'ai merdé là, j'ai clairement merdé. Ok, bah un coffre à récupérer du coup. Hop. Ah c'est tout, putain. Ah j'ai merdé, ouais, pour les boss du coup je me suis niqué un peu beaucoup de DPS quand même. Hein. Ah faut que j'arrête et que je réfléchisse un peu plus hein, quand je joue là, parce que... Les conneries comme ça, ça peut rapidement vous coûter la game. Là, ça va aller pour le moment, mais ça va juste faire des fights longs, quoi, et chiants, quoi. Ce qui est pas du tout intéressant. Pour moi. Ni pour vous, d'ailleurs. Oh là là, bon, on va claquer le deuxième, sinon on n'arrivera pas à le faire assez rapidement. Si on tue le monstre rapidement. Assez rapidement, pour le moment, si on y arrive, hein. Ah mais du coup ça me clone aussi mon petit familier qui tank pour moi. Ah, c'est bizarre. Je suis en train de me dire putain mais pourquoi j'ai deux fagottes avec moi. Ok, bon, ça va pas être très difficile du coup. On va essayer de tout mettre sur le même, l'autre il est parti dans le sens, donc ça me casse un peu les couilles de le poursuivre. Oh putain, toi le dernier qui me slow. Pas cool. Ah j'aurais pas dû me mettre dans un coin aussi, hein. C'est complètement ma faute. Hein. Allez. Putain c'est long hein, comme premier étage hein, quand même. Hein. Putain si j'avais pas merdé, on n'en serait pas là. Hein. On n'en serait pas là du tout les amis. Alors... Destruction, Resistance. Destruction va me servir absolument à rien en général, du coup on va pas le prendre. Puis là il n'y a pas grand chose d'intéressant au final. Oh putain.
Ah, ça va être long hein, quand on n'a pas les double incubus pour le moment. Ça va être super long et chiant. Quoi. Ok. Alors, on va d'abord voir ce que la marchande nous offre. D'accord. Allez. J'avais envie de dire, vous la sentez la pin qui arrive, mais ça va. Elle n'a pas été trop hein. Ouais, bon. 4 pièces pour une bombe, ça c'est nickel. Ah, par contre, j'aurais dû prendre le trinket là qui double les pièces avant de. Ah, enfin. Ouais, ça aurait été bien de le prendre avant. Pas grave. Oh, nice! Splash damage plus tears up. Oh là 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 là, damage up plus range up. Là, on est nickel. Alors, ce move était complètement merdique, hein, ma foi, c'est trop tard. Hein. Donc là, on va se faire juste mes masses thunes, quoi. Je crois que ça a rien de l'activer plus de 3 fois par étage. Hein. Ah, on a le nez qui gratte, ça recommence. On active une fois de plus. Pour gain de temps. On va essayer de conserver ce petit cœur noir parce que si on doit faire un pacte avec Satan et qu'on a plus de points de vie, bah on va simplement faire comme une quiche Lorraine et ce n'est pas le but. Enfin, on fait tous les boss d'un coup puisque ben bah, on a 3 fucking familles avec nous, hein, on va en profiter. Ok. Putain, j'étais en plein dedans, j'ai des boules. Quoi. Oh. La thune quoi. Ah oh, putain, non non non, les petits clars là. Ah il essaie de m'avoir, hein. Il essaie de m'abait hein, le salon. Ok. Bon. Si c'est offert. Pas cracher dessus. Bon, on va prendre ça, tant qu'à faire. Sans, je veux dire, on a de la thune, on est tranquille pour le moment. On peut bien se permettre de prendre un petit HP up. Ça peut être pas mal ça, nous accélérer un peu les dégâts quoi. Par contre j'aime pas ces points de pression là sans savoir ce que j'achète, c'est un peu casse-couille. On rentre là-dedans déjà. Make your smoke, speed down, range down. Bon, c'est pas gravissime pour le moment. C'est pas gravissime. Speed up plus damage up. Ok. Ah merde, j'aurais dû claquer. Aïe, avant. Je suis pas un grand fan du mascara dev hein, parce que ça nous fait un de ces tears down assez violent quoi. Oh là là, les points de vie quoi. Bon, on a des pièces donc on devrait être tranquille là. J'arrive plus rien à savoir qu'est-ce qui est méchant ou gentil du coup avec tous ces bêtes là. C'est horrible. Putain. On se fait tellement de thunes, c'est incroyable.
putain. Pourquoi il est empoisonné là d'un coup? Ça j'ai pas compris par contre. Bah ça c'est gratos hein. Putain, je peux pas faire plus gratuit qu'un boss je crois. Ok, je me suis fait un coup. Et comme j'ai dit, on voit pas grand chose tellement il y a des larmes qui partent dans tous les sens et des familles dans tous les sens, c'est un peu chaud quoi. Comme j'ai dit, de toute façon on a de la thune donc. On a absolument aucun risque en termes de points de vie, on peut acheter des HP, de toute façon voilà, on nous donne des HP gratos a priori. Acheter un ou deux. Allez, un item. Double charge. Oh putain. HP hop. Bon, on achètera le reste après, s'il faut. Ok. Ok. Franchement, je pense que la run est plutôt facile avec ce personnage, c'est... Oh putain, ouais, c'est plutôt dans le genre gratos quoi. Son pouvoir est très très fort dans ce mode, y a pas à dire. Enfin son pouvoir, son activable, hein. C'est juste un scandale quoi. Ouais bon, pas très utile. On va le prendre quand même. Alors, toi. Fired with goodies, ça va nous permettre de combo. On va redonner un peu de thune à lui. En évitant. Enfin en espérant qu'il en prenne pas trop. Bon la carte c'est pas terrible hein. C'est limite la plus grosse merde qu'on peut choper je crois. Hop, ok. Let's go. Mon dieu la masse de familier. Oh mon dieu. Moi j'ai 3 incubus déjà. Ah mais ça s'active deux fois. Oh mon dieu. Oh mon dieu. La batterie quoi. Oh mon dieu, c'est fort. Oh putain. Putain de merde. C'est incroyable. Mon dieu, tous ces familiers. Oh, c'est la run du bonheur là. T'as rien d'autre à me lâcher mec. Incroyable. Tout le temps la merde qui drop quoi. Bon, pas grave. Ok, go. Ouais, comme j'ai dit, c'est un peu la run de la gratuité quoi. C'est assez fou ça. Pigeon boy, bon bah. Tu veux de la thune en voilà. Contre le double prout, je sais pas vous mais on va éviter hein. Franchement je pense pas que ce soit spécialement une bonne idée.
Ah, j'ai oublié d'activer encore une fois trop tôt. C'est pas comme si j'en avais besoin, mais c'est con quoi. Oh là 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 là. C'est un peu chiant tu veux. Ah là 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 là. Ouais, c'était plutôt rapide. On va aller check ce qu'il y a là-dedans. Speed down. Range up. Je viens d'y penser mais j'ai encore le fight avec Satan. Ou je viens de le gâcher. Je m'en souviens pas trop. Ah, je suis un peu tête en l'air là. Ok, pas très utile. Acheter peut-être un ou deux items au bol, mini-mash. Un de plus. Kick of meat, ok. Un dernier. Tac. Ouais, on avait encore un fight. Il y en a 3. Ok, il doit. Ça devrait le faire. Il y a mon cube of meat, il arrête au moins je sais pas combien de coups là. Bon, là, là plus trop, mais on arrête au moins 5-6 depuis le début du combat, ça c'est hallucinant. Oh putain, super rapide ces machins, c'est incroyable. Là, cette fois on a impact. Oh, c'est cool. Non, c'est vraiment cool. Allez, tâche suivant. Let's do this. Alors, salle secrète juste ici. Ouais, bon, on va checker, mais bon, je pense pas qu'il y a rien de spécial. Là. Enfin, qu'il y a quelque chose de spécial, quoi. Comme le chip, on peut l'activer. Passage, on s'en fout. Résistance, c'est plus important. Oh, donner des points de vie. Ouais, allons-y. Oh là là là, non, 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 je peux pas prendre ça. Ah non, on peut pas, on peut pas. Trop trop chaud. Oh, le cube of meat, oh mon dieu. Ça va me créer 10 000 meat boy, oh mon dieu, c'est tellement fin. Mon dieu. Oh my god. Aïe.
Oh mon dieu, les pauvres. Oh my godness. Comment ils ont pris tellement cher? Aïe. C'est pas très cool tout ça. Toi tu l'esquives. Ah bah voilà. Un nouveau familier. Ah bah voilà. Un nouveau familier. J'ai l'impression que les choses se répètent. Allez, on va le prendre. Ok. J'ai bien envie de prendre Mythe. C'est pour le principe d'avoir plus de dégâts, mais je crois que je suis bien en DPS. Mission de poster. Ah, et là. Ouais, c'est cool. On récupère ce qu'on a perdu. Ouais, allez, un petit mythe pour la route. Et quelques points de vie pour le boss fight. Pour une me faire rouler dessus. Hop, on y va. Allez. Voilà. 5 petites pièces. Du coup là on va pouvoir que claquer une fois, hein. C'est tout ça qu'il faut se dire. C'est pour ça que j'ai pris le mythe pour maxiner un peu le plus possible mes dégâts. Bon, on aura quand même x2 incubus et tout le bordel, puisque ben j'ai la batterie qui fait que ça claque deux fois notre objet. Putain mais c'est tellement fort quoi. Si vous voulez bien juste lancer une bombe par là, on voudrait pas trop. Genre ici là, les gars. Please. Please. Merci. Ok, je t'envoie un peu quand même. Ah, deux bombes, ça c'est cool. On a un mini mid boy qui est en train de lui latter la gueule. Un cliqueur, casser tout ça. Aïe. On a quand même, mine de rien, un bon build, hein. Il n'y a pas à cracher dessus. Même si c'est un peu bizarre comme build, mais c'est la double charge nous permet de faire un fight plutôt correct, on va dire, comme grid, donc c'est plutôt pas mal. Ah putain! Trop de points de vie récupérés là. Aïe. Il est pas content! Ah, ça nous a fait grossir les caca là. Et du coup on peut se rendre invincible maintenant. Essayer de lui plomber la gueule à coup de caca aussi.
Putain, mais l'invincibilité elle dure éternellement quoi. What the fuck? C'est quoi ce bordel? Ça a duré tellement de temps. Wow, j'ai perdu tellement de pièces. Ah, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de pièces. J'étais à 80, je crois. Box of Friends. Ah putain. J'sais toujours pas ce que c'est ce pourcentage. Ah mais c'est peut-être le taux de chance que ça coince la machine. Je sais pas. C'est peut-être ça. On ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. J'aurais pas le temps pour notre run les amis. Donc moi je dois m'arrêter là. Je suis désolé, hein, ça fait un peu court pour cette fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt les amis. Ciao ciao.